Solon Denery. Je vais faire le petit discours en français parce que mon espagnol est très mauvais et le basque presque inexistant. Et j'en suis désolé d'ailleurs. Juan Mari Choperena et Rafael Subiria sont deux membres de l'association de la Société des sciences d'Arantzadi, qui est très connue, c'est une institution en Euskadi, et ils sont membres également de Via Irutas de Navarra. Ils ont fait des recherches très approfondies sur les voies romaines qui pouvaient exister en Navarre, notamment une voie romaine qui partait d'Arce et qui arrivait sur le Val Carlos, la vallée du Val Carlos, cette fameuse vallée où on pense que Charlemagne a été, enfin les armées de Charlemagne ont été piquées par les Vascons. Ils ont donc découvert ces voies romaines, cette voie romaine qui est très importante. Et c'est une belle découverte parce que tous les archéologues et historiens pensaient que dans la vallée de Val Carlos, il n'y aurait jamais de voie romaine. Et ensuite, ils ont participé à la découverte de cette grande ville d'Iturrissa, qui jusqu'à présent pensait que c'était quelques maisons qui étaient situées près de, entre Bourguette et Espinal. Or, eux font partie des découvreurs, des inventeurs de la grande ville d'Iturrissa, qui fait presque 17 hectares de surface, ainsi qu'un quartier artisanal. Et ça, c'est une découverte très importante. On suppose même que cette ville est un district minier qui, dans l'Antiquité, drainait toutes les mines de la région, que ce soit les mines de mercure d'Aboré Alta, les mines de cuivre d'Arrive, les mines de cuivre du Changoa, les mines d'or de l'Esetacocachcoa à Urepel, etc. Voilà. Donc, pour le travail qu'ils ont fait, l'association Ikuska, le centre de recherche et d'études scientifiques du Pays Basque, leur remettent un prix pour marquer le travail et les efforts qu'ils ont faits pour la connaissance de notre histoire et la connaissance de l'Antiquité en Pays Basque. Voilà, Rafa. Et voilà. Alors, on vous remercie pour tous les travaux que vous avez faits, les avancements que vous avez permis à l'archéologie, ici, en Euskalerri, et vous êtes mes amis en plus, donc voilà. Je voudrais dire que, dans la détermination de ce prix, Louis de Buffière a participé à ce petit jury qu'on a constitué pour l'attribution de ce prix. Voilà. Euskaraz egiten duzue, gutxi, pixka bat aurkezten alduzue zuen lana ala ere, bi minutuz batek egiten aldu? Euskaraz? Eta zuk? Bat ere? Eta gazteleraz? Are erderaz? Bi minutuz egin duzuen lanaz eta hemen sari honen eskuratzeak zer ekartzen dizuen. Bueno, ya pueden perdonar ustedes que yo no hablo ni euskera ni francés. Francés entiendo un poquito y euskera también un poquito, pero para hablar pues no estoy preparado ahora. No, simplemente el agradecer, porque hay que tener amigos como Enrique, Eric o Cristian, que son amigos, y entonces estos reconocimientos pues satisfacen mucho. Es un honor y además es un premio tener amigos como Eric. Ahora, egiten dutena da eskertzea hemen dituzten lagunak bereziki eta hauentzat ohore handia dela hemen izaitea. Mm.
Bueno, el trabajo que hemos hecho parte del hallazgo de 3 miliarios en término de espinal, de Aurisberry, que está al lado de Roncesvalles, al lado de Borquete y Roncesvalles. Bueno, cuando encontramos esos 3 miliarios, teníamos ya la completa seguridad de que el camino que estaba allí era una calzada romana. Entonces, partiendo de ese hallazgo, pues hemos estudiado 90 kilómetros de la calzada romana desde la frontera de Navarra con Aragón, en Sangüesa, hasta San Jean le Vies. Oui, le groupe Viasi Navarras et Rafa et Juan Marie ont découvert, en cherchant cette voie romaine, 3 milliaires, c'est-à-dire ce sont des bornes romaines qui indiquent les 1000 romains entre deux villes avec le nom de l'empereur, etc. Donc ce qui a permis d'avoir déjà une idée sur la période de ces milliaires. Et ensuite, à la suite de cette découverte, ils ont fini par découvrir la voie jusque sur le territoire d'Espinal, et cette voie continue sur le territoire de Bourguété et après dans la vallée du Val Carlos. Voilà. Et ils ont trouvé donc les ruines de la ville d'Itorissa, mais en amont, c'est-à-dire dans la vallée d'Arcé, ils ont trouvé aussi une maison romaine auquel d'ailleurs nous avons participé, Ikushka, aux premières fouilles, une maison romaine qui est très très intéressante, puisqu'on a même retrouvé les vitres des fenêtres, donc ça, c'est quand même pas mal. Alors je me dis pourquoi c'est pas mal, c'est parce que les maisons avaient des vitres, surtout à Rome. Donc c'est sûrement la maison d'un haut fonctionnaire romain de l'époque. Bueno, y a partir de del seguimiento de esos 90 kilómetros, nos ha dado la oportunidad de encontrar, de descubrir también otros yacimientos de bastante importancia, como el que se viene nombrando como Itorissa, pero que no tenemos nosotros ninguna prueba de que lo sea. Nosotros decimos Zaldúa porque hasta que no aparezca alguna prueba epigráfica, pues no lo podemos afirmar. Y esto también nos ha dado la oportunidad de estudiar también otra calzada romana muy importante que venía desde Tarragona hasta Oyaso, hasta Irún. Y en eso estamos y además tenemos bastantes evidencias y bastante confianza en que se podrá demostrar que es la calzada romana, la Tarraco-Yaso, que es una calzada que no es tan conocida como la Astorga-Burdeos, que es la que pasa por San Jean de Piedfort, pero que dentro de la península ibérica tuvo mucha importancia, porque era la primera calzada que tienden los romanos desde Tarragona hasta Irún. Ikusten duzuen bezala, arkeologo hauek sinaurri lana egiten dute, bereziki Nafarro aldean, eta hor aipatzen zuen ere, beste etxe bat atxemana izan dutela, eta horren ikertzen ere segitzen dutela. Hasteko goresmenak, Ikuska taldearen izenean ere egiten duzuen lanaren zat.